Quoi? Jean L. 75. Moi, je préférais les ouvertures flammobsidiennes. Je trouvais qu'on avait plus de hits à l'intérieur. D'accord. Kevin 74. Fight Paradox, c'est beaucoup mieux. Et j'adore cette nouvelle série. Eh ben écoutez, j'ai l'impression que ça se bat un peu dans les commentaires. Pikachu du 66. Flamme obsidienne, ça roxait quand même beaucoup mieux. Théo Pokémaniac. EV4, c'est quand même beaucoup mieux que l'ancienne série Flamme obsidienne. D'accord, donc en fait, c'est vraiment partagé. Hey, ça roxe quoi là-dedans? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vu que ça se dispute beaucoup dans les commentaires, que vous êtes encore beaucoup à avoir préféré Flamme obsidienne. Et d'autres qui préfèrent Fight Paradox. Alors ce qu'on va se faire pour pouvoir se départager, ça va être très simple. On va s'ouvrir un art set de chaque, plus un tripack de chaque. Et on va voir dans lequel on trouve les meilleures cartes et laquelle série était la meilleure, tout simplement. Après, bah, évidemment, hein, chacun ses goûts. Allez, on n'oublie pas de s'abonner et de lâcher un méga pouce bleu pour ne rien rater à toutes les prochaines ouvertures sur cette chaîne. Nous, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de ces boosters et de ces tripacks. Let's go! Allez, on est parti pour départager Flamme Obsidienne et Fight Paradox. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là avant, que Fight Paradox est la nouvelle série de Pokémon. Et évidemment, bah, Flamme Obsidienne, c'était EV3, donc la série juste avant. Évidemment, il y a 151 qui s'est intercalé entre les deux séries, mais celle-ci, on la compte pas aujourd'hui. Évidemment, la série Flamme Obsidienne se compose du magnifique Dracolos, un petit Vrombotor, le Dracaufeu Terra Crystal et un Tyranocif. Et la série, si j'arrive à la prendre, voilà, de Fight Paradox, se compose d'un Garde de Fer, d'un Rugilune, on a le petit Karmadura et un Karchakrok. Évidemment, pour les départager, on aura aussi un tripack de chaque avec pour Flamme Obsidienne Tombéro et Fight Paradox un Criodo. Allez, on commence directement avec le premier set de Flamme Obsidienne aujourd'hui. On commence avec ce petit Tyranocif en premier booster. Est-ce qu'on va avoir de la dinguerie, les gars? Est-ce que ça va être mieux que Fight Paradox? Eh bien, écoutez, on va le découvrir tout de suite. Allez, je commence tout de suite avec le petit code. Encore un petit code à l'envers, mais ça vous kiffez bien, j'ai bien l'impression. Et c'est parti avec une énergie haut. Juste derrière, la tête d'ampoule. Gourmelet. Barloche, les baloches, Topico, Altaria, Démolos. Évidemment, il y a des Pokémon qu'on retrouve aussi bien dans une série que dans l'autre. Allez, ça commence directement avec une première reverse de Ortide qui nous laissera apparaître une deuxième reverse de Joliflore qui n'était pas si facile à poké que ça. Hein. Joliflore en reverse, je crois que c'est une des plus rares que j'ai eues en carte reverse. Et un petit Fulguris holographique. Pour l'instant, rien de foufou sur du Flamme Obsidienne. Après, vous savez, on ouvre des solo blisters, donc c'est tout ou rien. Voilà, il n'y a aucun quota, on ne sait absolument pas sur quoi on va tomber. Mais pour ceux qui aiment les deux séries, Flamme Obsidienne et Fight Paradox, bah, ça vous permet un peu de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Allez, deuxième booster. Cette fois-ci, on part avec le Dracaufeu Terra Crystal. Est-ce qu'il va nous porter chance? Est-ce qu'il va nous laisser apparaître un petit Dracaufeu? Ou pas du tout, je ne sais pas. Allez, c'est let's go les gars, tout simplement la chance aujourd'hui. Le petit code, encore une fois, je vous le donne à l'envers. Vous l'avez eu et il a disparu. Et c'est parti pour découvrir cette fois-ci une carte énergie ombre. Suivi de Axolotl de Paldea, Mustéboué, Olivini, qui nous laissera apparaître un petit Vrombris et un Misdibule. Frison, on continue avec Crabominable. La première reverse de Carvana qui nous laissera partir sur une deuxième reverse de Tombéro, et ça sera encore Alisma. Alisma, les amis, je crois que c'est la carte holographique qu'on a eu le plus de fois sur cette série. Je crois que Alisma nous a trollé plus que Vrombotor depuis le début de ses ouvertures. Et justement, en parlant de Vrombotor, on a un booster à son effigie. Allez, let's go pour voir si chez Vrombotor, il y a de la belle surprise ou pas du tout. Et ça va nous laisser apparaître directement, comme d'habitude, un magnifique petit code. Et il est toujours à l'envers, c'est magnifique. Allez, c'est parti, cette fois-ci, pour découvrir encore une énergie ombre. Je crois que cette énergie ombre va nous porter jusqu'à la fin de cette ouverture. Allez, Grenousse, Croquine la Coquine, Goupix, Crabominable, encore une fois, avec un Misdibule, encore une fois, Peeper, qui nous laissera apparaître la première reverse de Roucoule,
Et ça sera une carte gold. La Kuncha, la Shincha, je ne sais pas prononcer le nom de cette carte. Mais c'est une carte gold qui régale aujourd'hui. Ça, ça fait plaisir. Dans des solo boosters. Et ça sera un double hit avec un petit Victini X. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui aimaient cette série flamme obsidienne. Elle est vraiment magnifique. Double hit sur ce booster de Grombotor. Allez, les cartes paquets, je les ai mis là dans le fond, juste derrière. Et on part directement avec un booster à l'effigie de Dracolos Terra Crystal. Vous êtes beaucoup à surkiffer ce Dracolos. D'ailleurs, vous êtes beaucoup aussi à ne pas comprendre pourquoi il n'y a pas eu une carte AR de Dracolo sur cette série. Franchement, le mettre en avant comme ça sur des boosters et ne faire presque aucune carte à l'intérieur que juste une petite carte X toute basique, eh ben, ça faisait un peu mal au cœur. Hein. J'ai envie de dire qu'on est content quand même de le retrouver, ce Dracolos. C'est le Pokémon préféré de beaucoup de monde. Allez, le petit code, il est encore parti à l'envers et il disparaît. Et let's go pour découvrir l'énergie métal, suivi juste derrière de Snubbull, le petit Pimito, Rototaupe, un petit Polarum, juste avec les sbires de la Team Star, Altaria encore une fois avec un Misdibule, Mustéboué en première reverse, et ça laissera apparaître une deuxième reverse de Terrestre de Paldea. Est-ce qu'on aura une petite dinguerie? Non, ça sera encore un Fulguris en holographie. Bon, bah, 4 boosters, 2 hits, j'ai envie de dire, ça fait quand même plaisir sur ces solo blisters. Allez, avant d'ouvrir les tripacks, on part directement cette fois-ci sur l'art set de Faille Paradox. Est-ce qu'il va nous porter chance sur cette série? Ou pas du tout? Ah, je ne sais pas, les amis, on va le voir directement avec ce booster. Allez, on l'ouvre. On découvre les petites dingueries et le petit code que je vous donne à la verticale. Vous mettrez pause et vous aurez plus qu'à le retaper. Let's go. Cette fois, pour découvrir une énergie plante, suivie juste derrière de Magby, Hypocéan, Porygon, Flamanroule, le petit fer de terre qui nous laissera apparaître Norman, Feuilloutant et la reverse de Zébibron. Attention, est-ce qu'il y a une petite dinguerie derrière? Non, ça sera une deuxième reverse des Sœurs Parasol pour partir sur une holographique de Groudon. Rien de foufou sur ce booster. Allez, Karmadura en compte sur toi, sur du Faille Paradox. Franchement, personnellement, j'adore les deux séries. Flamme Obsidienne nous a régalé avec tous les Dracofeu. Faille Paradox me régale avec tous ces Pokémon temps passé, temps futur, tous ces Pokémon Paradox. Moi, franchement, je suis fan et je surkiffe. J'espère d'ailleurs qu'on va en trouver en carte à air sur cette série et surtout dans ce booster. J'ai envie de découvrir la dinguerie. Allez, est-ce qu'on aura plus de chance dans ces boosters Faille Paradox que dans les boosters Flamme Obsidienne qu'on va de s'ouvrir? Je rappelle quand même qu'on a eu un double hit. Allez, le petit code, il disparaît. Et on passe directement, cette fois-ci, avec une énergie feu, suivi de Scorplane, Goupilou, Flamajou, Tilton, allez, le petit Météno, Méloco. Et on continue avec un Brouabam qui nous laissera apparaître Flamoutant en première reverse. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette illustration de Flamoutant. Magnifique. Et juste derrière, est-ce qu'on aura une petite dinguerie? Non, ça sera Forgurette en deuxième reverse pour laisser paraître. Allez, un petit hit non plus. Ça sera un Roublenard en holographique. C'était pas foufou avec Karmadura. Allez, cette fois-ci, le booster à l'effigie de Rugilune. Je le répète, hein, ce sont des solos blister avec un seul booster pris au hasard dans la série. On ne sait absolument pas sur quoi on va tomber. Ça peut être que des dingueries, comme on peut ne rien avoir du tout. C'est tout ou rien sur ces boosters, les amis. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est pouvoir ouvrir des boosters vraiment surprises, sans peser, sans rien du tout. Ça fait plaisir à chaque fois et ça régale surtout pour la surprise, tout simplement. La surprise, c'est ce qu'on aime en ouvrant des Pokémon. La surprise. Allez, c'est parti avec le petit code. Et il disparaît directement pour laisser place à une carte énergie eau qui nous laissera apparaître Nosferalto, Octillery, j'adore ce Pokémon Octillery, Porygon 2, la sœur Parasol, juste derrière les énergies médicales, on continue avec une urne terrestre, allez Fermite, on continue avec Gambex en première reverse, ça nous laissera apparaître une deuxième reverse de Écrémeux, le petit Pokémon vache dans sa prairie, et ça sera tout simplement une holographique de Porygon Z. Pour l'instant, on n'est pas régalé avec le Faille Paradox. Allez, c'est au tour de Garde de Fer de faire son apparition
dans ses Solo Blister. Et on l'a directement juste ici. C'est parti, cette illustration est vraiment très très belle. De toute façon, vous les avez déjà vues en long, en large, à travers. Mais ça fait quand même plaisir de pouvoir vous les représenter un petit peu. Allez, let's go, le petit code qui disparaît et on part directement sur une énergie ombre. L'énergie ombre qui nous a bien porté chance tout à l'heure sur Flamme Obsidienne. C'est parti avec un Chuchemur, Aragdo, on continue avec Tout à fait et Okuba juste derrière. Absol, vraiment très très belle cette illustration de Absol. Corvol, Candine, la petite coquine, qui nous laissera paraître Farguela en premier reverse. Ça sera une deuxième reverse de Onyx. Et évidemment, j'ai bien l'impression qu'il n'y a rien du tout dans ces solo blisters. Allez, c'est pas grave, on a encore les tripacks. Les gars, vous le savez, j'en ai fait plein de vidéos. Les tripacks Flamme Obsidienne, les tripacks Fight Paradox, on avait presque un hit garanti à chaque tripack. Bon, on a quand même eu des exceptions où on n'avait rien dedans. J'espère que dans cela, il y a quelque chose. J'ai envie de trouver des dingueries avec vous. Allez, le tripack Flamme Obsidienne est ouvert. On peut revoir cette magnifique carte promo de Tombereau avec cette petite effet Cosmo qui était vraiment très très beau. On retrouve aussi un magnifique petit code. Allez, je vous le mets à l'endroit cette fois. C'est cadeau. Vous l'avez eu. Et let's go pour le premier booster avec un Vrombotor dessus. Allez, c'est parti pour l'ouvrir, ce petit booster Vrombotor. Est-ce qu'on aura de la dinguerie? Je l'espère. Normalement, on n'est jamais déçu avec les tripacks. Très rarement, beaucoup moins qu'avec les boosters et qu'avec le reste. C'est parti pour découvrir une énergie combat. Suivi de Goupix, Brocello, Max Soloto de Paldea, Mustéboué, juste derrière, Granbull et le Sepiatros, Gorette, qui nous laissera apparaître Roku en première reverse, la deuxième reverse de Tosh Demaru, et ça sera une holographique de Darkrai. Pas foufou, c'est pas grave, attendez, on n'a pas dit notre dernier mot. On n'a vraiment pas dit le dernier mot. La petite dinguerie peut tomber sur le Dracolos, là. Allez, le Dracolos et le petit code qui disparaît, et let's go pour découvrir cette fois-ci une carte énergie. Oh, suivi de Grenousse, la grenouille, Darumaron dans la prairie, Mustéboué et la plongée, Croquine la coquine, Démolos, Granbull, Sepiatros, la première reverse de l'immonde, et ça sera une deuxième reverse de Grenousse. Elle est où la dinguerie? Elle est où la dinguerie? Togekiss en holographique. Bon, alors est-ce qu'on va avoir un hit dans le Tyranocif? Je l'espère, sinon ça remettrait en cause notre réflexion d'avoir un hit assuré à chaque tripack. Après, vous le savez, hein, ça nous est déjà arrivé d'avoir des tripacks sans rien du tout. En tout cas, j'espère que c'est pas un tripack sans rien. Ça me ferait plaisir quand même de pouvoir vous montrer des petites dingueries. Allez, énergie, ombre, suivi de Olivini, Vrombri, encore un Pokémon Henry, non, c'est Tritox, Lampéroir, qui nous laissera apparaître un Pibidou, ça faisait longtemps, hein, le petit Décéliande. Oh, massa! La première reverse de Fulguris. Allez, une petite dinguerie. Non, ça sera un centre commercial, une carte X. Non, c'est un tripack où il n'y a rien dedans. Mais c'est pas possible! On a été chanceux sur les boosters, mais pas dans le tripack. Ah, peut-être que sur Fight Paradox, ça va être le contraire. On n'a pas été chanceux sur les boosters. Peut-être que dans le tripack, il y a de la dinguerie cette fois. Allez, c'est au tour du tripack Fight Paradox. On veut de la dinguerie. On n'a pas eu de chance sur le tripack. Là, franchement, Flamme Obsidienne, ça m'a pas régalé. Hein. J'ai envie de dire, sur le tripack Flamme Obsidienne, j'ai pas été régalé. Hein. Pour l'instant, 2 hits sur tous les boosters, les amis. Et oui, vous le savez, c'est la joie Pokémon. On peut tout avoir comme rien du tout. Allez, Criodo, la carte promo. Elle fait plaisir. Le petit code du tripack, il fait plaisir lui aussi. Et on est parti avec un garde de fer, cette fois-ci, pour trouver de la dinguerie. Est-ce qu'on aura plus que de 1 hit dans ce tripack? Franchement, avec ce qu'on a eu là, je l'espère. Est-ce que Fight Paradox va dézinguer Flamme Obsidienne avec ses 2 hits? Je ne sais pas, on va le découvrir. Le petit code, il est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et nous, on découvre une énergie psy, suivie de Plumeline, Mewton, Flamajou, Goupilou, Motorizard, le Pokémon en forme de moto, le plan du professeur Touroum qui nous laissera paraître Chafouine, tout à fait en première reverse, ça sera une deuxième reverse de Candine, la coquine, qui nous laissera apparaître une holographique de Milobélus. Est-ce que cette fois on va avoir une dinguerie les gars? Je ne sais pas du tout, c'est entièrement aléatoire. Je préfère le répéter parce qu'à chaque fois je vous vois dans les commentaires, ouais, t'as rien eu, c'est nul. Ben, on sait pas. Si j'étais assuré d'avoir un hit, franchement, il n'y aurait aucun intérêt de faire des ouvertures comme ça.
autant que je vous présente les cartes une à une et pas d'ouverture. C'est ça le stress, de pas savoir ce qu'on va avoir. On part sur une énergie ombre, suivi de Jirachi, le petit Selutin qui rock la sœur Parasol, le Porygon 2, juste derrière Mascadra, et la capsule d'énergie booster temps passé, Fer de Terre, la première reverse de Negapi. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce Negapi en AR. Je l'ai packé pour du box break sur Whatnot. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre Whatnot, les amis. Vous avez le lien dans la description. Vous avez entre 10 et 200 euros à chaque fois que vous vous inscrivez. Ben, après, petit bonheur à chance. Si vous avez la chance d'avoir 10 euros, c'est cool. Si vous avez la chance d'avoir 200 euros, c'est magnifique. Franchement, faites-vous plaisir sur cette application. C'est que du bon. Allez, c'est parti, cette fois-ci, avec une carte à air. Oh, le hit assuré dans chaque tripack. Avec un magnifique Magby en carte à air. Je l'avais pas dans la collection, et c'est une des plus belles cartes à air. Regardez-le-moi comment il est beau, dans son petit bain de lave. Aïe, 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 ça régale. Ça régale, ça valait le coup d'attendre jusqu'à la fin de cette ouverture. Bon, il nous reste encore un booster, hein. Ne quittez pas la vidéo maintenant. Regardez bien jusqu'au bout parce qu'il peut y encore avoir de la dinguerie. Allez, Faille Paradox qui rattrape son retard avec une carte à air. Alors, est-ce qu'une carte gold de la Kuncha, est-ce que ça vaut une carte à air de Magby? Bah, vous de me le dire dans les commentaires si vous préférez avoir une carte gold EV3 ou une carte AR de EV4. À vous de me le dire, les gars, j'attends vos commentaires avec impatience. Allez, c'est parti pour le dernier booster de ce tripack. On a encore une petite chance d'avoir de la dinguerie, hein. On a déjà vu des tripacks avec plusieurs hits à l'intérieur, donc on y croit encore. C'est parti pour le petit code, vous l'avez vu, il a disparu. Comme d'habitude, il est là, il est plus là, et hop, une énergie plante. Nosferalto, Okuba, tout à fait, Aragdo, suivi du plan du professeur Turum. On continue avec un petit Chafouine qui nous laissera apparaître la Porsche Cayenne. On continue avec Spinda en première reverse. Et ça sera une deuxième reverse de sort bébé. Allez, au moins une petite carte avec ça ferait plaisir. Et non, ça sera Fungus Fury en holographique. Mais rien que cette carte holo quand même, elle rocks de fou. Et voilà la fin de cette vidéo les amis. Est-ce que Flamme Obsidienne c'était mieux que Faille Paradox? À vous de me le dire dans les commentaires. Ça y est, c'est parti. Les commentaires sont ouverts. Vous n'avez plus qu'à me dire quelle était votre série préférée entre les deux. En tout cas, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rater aucune vidéo d'ouverture sur cette chaîne. Le petit commentaire, le petit pouce en l'air, comme d'habitude, tu connais. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des prochaines ouvertures sur du Pokémon. Salut !